je souligne le fait du parisianisme et aussi d'Avignon. Parce que je crois que la première intuition, vu mon âge, je peux le dire, c'était Jean Villard qui veut aller à la rencontre du public. Ouais. Si on a pu faire des rencontres, c'est grâce à lui qui avait demandé à rencontrer l'évêque. Donc, c'est dans cette tradition qu'il faut continuer. Avignon, c'est une ville d'espoir, une ville de rencontres où on s'est partagé. Moi, je voudrais rajouter qu'on parlait d'une charte du off. Je reviens au spectacle de Yann Fabre, parce que pour moi, la tolérance, quand ça devient une orgie, eh bien, c'est un monde qui s'autodétruit. Toutes les histoires de masturbation au début, d'avortement et tout ça, c'est un monde qui n'arrive plus à engendrer, sinon une consommation de pet shop, etc. Donc pour moi, l'orgie, la tolérance devenant une orgie, le monde s'autodétruit. Et là, on a, à mon avis, la limite à ne pas franchir, parce qu'au-delà de cette limite, on se détruit. Vous voyez, dans le hymne, pardon. Non, c'est pour rebondir sur ce que disait Monseigneur sur le spectacle de Yann Fabre, justement. Et c'est là qu'il faut bien différencier la sphère liturgique et religieuse de la sphère artistique, où les formes peuvent être totalement différentes. C'est-à-dire que le message de Yann Fabre, où il y avait donc, où la tolérance s'autodétruit à tout tolérer, en fait, hein, et où on arrive dans un bouquet final de fuck you généralisé, et où paradoxalement, le Christ avec sa croix, là, paraît dans toute sa fragilité quand il se balade sur scène, comme le seul rempart ou le seul point d'interrogation pour dire « mais qu'est-ce que vous faites dans le monde ?» Et qu'évidemment, on ne peut pas faire ça dans une église, et que s'il y a des artistes ou des formes particulières qui leur est propre et qui peuvent être en dehors donc du milieu strictement liturgique, de produire quelque chose. Mais il n'y a pas à vouloir... ce serait une erreur à ne pas distinguer les deux formes et donc à ne pas vouloir donner aux artistes une certaine autonomie qui leur permet de faire fructifier leurs dons. En fait. Je vois par exemple l'année 2008-2009. Ce n'est pas du tout le même festival qui nous est présenté. 2008, c'était plutôt un appel grâce aux pièces qui étaient données, à la foi. Il y a même Pascal Seves, là, qui est un jésuite, qui dans la revue des études a dit « un festival divino, divin ». Oui, parce qu'il y avait donc Dante, il y avait Ordette, la parole. Or, hier soir, j'étais dans un autre spectacle, qui est aussi une parole, mais c'était le vide. Ordette, c'était la parole biblique qui était donnée. Je me demandais comment ça allait être reçu. Alors cette année, je vois plutôt tous ces récits de guerre, de violence. Ils ont toujours été, les artistes, reflets de notre monde, ou anticipants. Mais oui, c'est vrai, ça. Lorsqu'il y a eu le film de Godard, La Chinoise, c'était avant 68. Mais le Vatican II était à 65, et l'Esprit Saint avait voulu qu'on soit prêt à aborder ce monde. Monseigneur. Voilà, moi je crois qu'on n'aura pas perdu notre temps à dialoguer une heure ensemble. Merci à tous et puis une bonne fin de festival. On en est à moitié. Moi, je vous invite à venir voir sur Colette si ça vous plaît.